D'accord, merci beaucoup. Merci et bonjour tout le monde. Je suis Cathy Lapierre, je suis chef de service alerte et réponse, épidémiologiste au ministère de la Santé publique et de la Population, particulièrement à la direction d'épidémiologie des laboratoires et de la recherche, et je suis également le point focal de la surveillance du choléra. Je vais vous entretenir rapidement sur les dernières avancées du pays en termes de la lutte contre le choléra. Donc, si on fait un overview à partir de octobre 2010, on a eu la survenue de l'épidémie et l'épidémie jamais vue dans le pays. On a eu plus de 4 000 cas à être notifiés par jour. La souche qui a été identifiée a été le Vibrio cholerae, le sérogroupe O1, sérotype Ogawa, biotype Eltor. Et face à cette situation de crise, le gouvernement, accompagné de ses partenaires financiers et techniques, a pu mettre en place un plan sur 10 années, de 2012 à 2022. Ce plan a été établi sur 3 termes, le court terme, le moyen terme et le long terme, avec 4 principales composantes: la mobilisation sociale, la surveillance épidémiologique, la prise en charge curative des patients, l'eau et l'assainissement comme dernière composante. Vous pouvez voir à droite du slide l'évolution de l'épidémie de 2010 à nos jours. Pour les cas suspects de choléra, particulièrement 2011, vous pouvez voir que nous avions eu environ 350 000 cas suspects à être notifiés. Et en 2022, on est pratiquement à 0 cas suspects à être notifiés. Également pour le taux d'incidence pour 1 000 habitants de 2010 à date. En 2011 particulièrement, nous avons eu 34,35 cas pour 1 000 habitants et en Haïti. Et en 2022, on est à 0 cas pour 1 000 habitants. Et ceci depuis le 4 février 2019. Donc, pour pouvoir obtenir ces résultats, nous avons eu comme grande réalisation, je dirais, l'implication du gouvernement, en fait, le leadership national, avec tous ces partenaires qui étaient déjà présents en janvier 2010 par rapport à la survenue du tremblement de terre. Donc, ces partenaires ont été mis autour de la table et ont pu collaborer avec le gouvernement pour pouvoir lutter contre cette épidémie. Donc, on a eu le leadership national. Nous avons eu aussi la prise de décision inhabituelle, l'utilisation payante de la doxycycline dans la prophylaxie et surtout pour les patients atteints du choléra, mais particulièrement dans les endroits où on a eu l'accès pauvre en eau potable. Et on a pu remarquer qu'il n'y avait pas eu de résistance à cette drogue au niveau du laboratoire. On a pris aussi des décisions pour faciliter le travail sur le terrain. Il y a eu le renforcement de la surveillance épidémiologique avec la mise en place de la déclaration obligatoire du choléra au niveau de la surveillance. Ensuite, nous avons eu la mise en place de l'équipe d'intervention, l'équipe d'intervention rapide, les EMIRA, et ceci, ça a pu permettre la réponse opportune. Et de 2010 jusqu'à date, nous avons la surveillance épidémiologique qui continue jusqu'à présent. Nous avons pu mettre en place également une campagne massive de sensibilisation. En termes de laboratoire, nous avons pu avoir une décentralisation du testing au niveau de tout le pays, avec les tests rapides qui ont pu être réalisés, surtout au niveau du moyen terme, mais aussi nous avons pu avoir la permanence des intrants de labo au niveau des laboratoires régionaux et également au niveau du LNSP. Comme principal défi par rapport à cette mise en œuvre, c'était surtout la limitation de ressources, mais surtout en cette fin d'épidémie où les partenaires se font rares, surtout en cette fin d'épidémie. Face à toutes ces actions qu'on vient de vous énumérer, nous avons pu remarquer une baisse de l'incidence. Comme vous avez pu le voir, l'incidence est à zéro. Nous n'avons pas eu de cas, nous n'avions pas eu de cas confirmés depuis 4 février 2019, ni de décès. Et depuis 2019, on a pu
le ministère a pu mettre en place la stratégie de recherche de vibrio cholerae dans les diarrhées non choléreformes, qui a pu permettre de renforcer la surveillance épidémiologique. Et surtout, on a eu 56 institutions et jusqu'à présent, on compte encore intégrer d'autres institutions. Et ces 56 institutions sont réparties dans les 10 départements du pays qui sont inclus dans cette stratégie. Plus de 8000 spécimens de diarrhée sont testés pour identifier et chercher le choléra. Ces cas de diarrhée sont des cas de diarrhée aiguë qui ne répondent pas à la définition du cas de choléra. Donc, nous recherchons le vibrio cholerae parmi ces cas de diarrhée et jusqu'à présent, nous n'avons pas retrouvé le vibrio cholerae parmi ces cas de diarrhée aiguë. Il faut noter aussi que la surveillance du choléra continue et comme je l'ai dit tantôt, jusqu'à présent, aucun cas suspect, aucun cas confirmé, aucun décès depuis le 4 février 2019. Avec cette stratégie implémentée, on a pu avoir une implémentation de 4 laboratoires régionaux qui peuvent maintenant réaliser les cultures. Le LNSP peut aussi, le Laboratoire national de santé publique, peut réaliser les tests PCR. Et pour favoriser cette stratégie, on a le support du staff Labomoto qui nous aide dans le transport des spécimens des institutions vers les points de chute ou bien des institutions vers les laboratoires régionaux ou bien vers le laboratoire national de santé publique. Comme principal et défi, plus gros défi qu'on peut identifier, on en a deux par rapport à la mise en œuvre de cette stratégie, c'est la situation sociopolitique, l'instabilité que l'on connaît tous qui nous empêche de réaliser nos activités comme elles ont été prévues. Mais aussi, là maintenant, cette activité a été implémentée en 2019. Nous avions eu le support à travers la Global Task Force pour réaliser ces activités jusqu'en 2022. Là maintenant, nous sommes en insuffisance de ressources financières. Donc, pour pouvoir maintenir cette surveillance, renforcer notre surveillance et maintenir cette stratégie, il nous faudra avoir beaucoup plus de fonds et pouvoir favoriser cette extension de cette stratégie au niveau de tout le pays. Comme priorité pour 2022-2023, nous voudrions maintenir la stratégie de recherche de vibrio cholerae dans les diarrhées aiguës non choléreformes pour favoriser une disponibilité permanente des intrants de labo et favoriser aussi la disponibilité de ressources humaines surtout, ressources financières, aussi avoir une communication garantie pour y favoriser la surveillance épidémiologique, mais aussi avoir notre système efficace de transport des spécimens. Nous comptons aussi évaluer notre plan national d'élimination qui était établi de 2010 à 2022 et après cette évaluation, aussi procéder à une révision de ce plan national d'élimination du choléra. Aussi, mettre en place un plan de contingence en cas de possible réintroduction de la bactérie dans le pays. Aussi, favoriser un renforcement de la surveillance des diarrhées avec l'intégration de la recherche d'autres pathogènes, comme les salmonelles, le shigelle, avoir aussi une surveillance renforcée de la typhoïde, favoriser aussi la formation du personnel, tant pour le laboratoire que pour la surveillance épidémiologique à travers nos épidémiologistes, intégrer formellement la communauté à travers la CEBAC, la surveillance épidémiologique à base communautaire, et tout ceci pour nous permettre d'obtenir notre certification de choléra free, je dirais de pays interne de choléra. Donc, je vous remercie. On est disponible pour les questions. Merci beaucoup.